Salut à toutes et à tous, amis gamers, mon nom est Choi et bienvenue au Choi's Gaming Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série de Civilization 5 Brave New World, une série dans laquelle nous jouons en tant que France, notre bonne vieille France qui t'offre cette proposition exceptionnelle, bien entendu, et nous tentons une victoire culturelle. Pour le moment, ça se passe plutôt pas mal, ça va à peu près. On a nos trois villes qui sont relativement efficaces, moyen au niveau quand même de la croissance, hein. La nourriture pêche un peu pour l'instant, bien entendu. Surtout que là, voilà, on va commencer à travailler pas mal de spécialistes. Puis c'est vrai qu'on a quand même pas mal de cases dans le style de cet encens qu'on travaille pour avoir la culture de la foi, etc. Donc ça ralentit un petit peu les choses, on va dire, au niveau croissance. Mais on arrive à s'en sortir, notamment avec des petites routes commerciales internes, parce qu'on n'a pas vraiment besoin au niveau les routes commerciales externes, vu qu'on génère un maximum de blé d'ores et déjà. Voilà. Sans plus attendre, on va continuer à jouer. Hein. Oui, niveau doctrine sociale, on a fait tradition mécénat. Quoi d'autre? Là, voilà, on attend Circus Maximus. On est en train de commencer à générer des artistes parce que voilà, on veut. On est en train d'aller vers l'imprimerie pour essayer d'avoir le théâtre du globe. Donc d'ici 4 tours, quand le Circus Maximus se termine, on passe en mode construction du théâtre du globe. Et voilà. Donc après, on va essayer d'avoir des artistes de la Renaissance pour la galerie des offices là-haut. Voilà, ça devrait le faire. Chapelle Sistine. Il y a peu de chances qu'on l'obtienne, mais bon. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Sans plus attendre. On va continuer. Voilà. Ah oui, il y a aussi le fait qu'il faut qu'on essaye de trouver comment accéder à l'autre continent. Parce qu'il y a forcément un moyen, vu qu'on les a découverts, les mecs. Donc ils ont dû passer dans le coin quelque part, mais je sais pas comment ils ont fait, voilà, tout simplement. Alors il y en a peut-être qui sont rentrés par astronomie, mais dans la Renaissance, mais ça m'étonnerait, parce que je pense que c'est pas trop un chemin que prennent les IA. Après, s'ils ont fait ça, bah tant mieux, hein. Tant mieux. Ah oui, on était aussi en train de spammer nos castels un petit peu partout sur notre territoire, pour avoir un maximum de culture et compagnie, quoi. À Paris, oui, j'ai un atelier, ouais. Très bien. Alors, nous pouvons utiliser notre foi. Pour acheter quoi? On a 311. Ah oui, à Orléans, je voulais acheter une cathédrale. Voilà, bam. On envoie ça. Quelle unité est en attente d'ordre? Toi, tu as fait une mine là-haut. C'est très bien, ça. Le truc, c'est combien de tours? 4 tours avant ton expansion. D'accord. La mine, c'est bien. C'est bien, c'est pas mal. Mais une ferme, là, ce sera mieux. Ok, alors là, maintenant, il va falloir négocier le libre passage avec lui. Sachant que je veux pas le payer. Alors ça, il y donne aucune valeur. Deux d'or par tour, ben voilà. Deux d'or par tour pour son libre passage. Parce que je veux pas qu'il le balance chez moi, étant donné que il a lui un maximum de tourisme. Non, c'est le Danemark. Ah, le Danemark, il a 10 aussi. Qu'est-ce qui leur arrive au Danemark? Ok, pourquoi pas. Les Mayas ont 10 aussi, donc voilà, il y a déjà des civilisations qui ont pas mal de tourisme. Donc faut faire un petit peu attention, hein, on va pas les aider non plus. La foi, c'est fait, les frontières de Lyon, on s'en fout. Voilà. Toi, tu vas rester là pour l'instant. Et j'ai remarqué, alors oui. Tout ça, là, on n'a rien à revendre au niveau des ressources de luxe, par contre. Quelqu'un veut des agrumes? Non, là non. Par contre, voilà, on va pouvoir probablement vendre du fer. On n'en a pas besoin, alors on va leur taxer leur or. Hein.
Ok, ouais. Tu en veux encore, tu en veux encore, tu en veux encore. Tiens, prends du fer. Prends. T'as vraiment, vraiment pas besoin du fer. Donc, mais prends tout ce que tu veux, mec. Tiens, regarde, je t'en donne encore un peu. Tiens, t'en veux encore? Eh bah, regarde. Boum. Ouais, bon, c'est un peu laborieux de faire ça, mais. Ha, plus 83. Boum. Ça, c'est très bien. Plus efficace que des routes commerciales, hein. Et ouais. C'est ça. Ouh, il y en a 6 là qui viennent. Ça y est, ça s'est étendu là-bas. Là, j'ai pas remarqué encore, mais oui. On exporte 11 ressources de fer. On utilise une pour notre mec. Pareil, les chevaux, on exporte tout, on utilise juste une. Il est du devoir. Alors, l'imprimerie. D'imprimer l'actualité et de semer la pagaille. Moi bien. Par contre, un tour avant l'artiste, deux tours avant le Circus Maximus, ok. On va peut-être pouvoir le délier, parce que là, le Théâtre du Globe, si je le lance pas maintenant, ça va être mort. Le Circus Maximus, on a réussi à un petit peu faire en sorte que ce soit pas nécessaire de le construire tout de suite. Alors, Paris, ma belle. Ouais, il va nous falloir... Toc. On va tout dégager. Tu vas nous construire le Théâtre du Globe. Et là, on va bourriner en production. Donc ça, et ça je veux. On va quand même prendre ça parce que ça. Voilà, hein. Déjà tout ça, je prends. Ça, je prends. Ensuite derrière, et ben là on va probablement faire des trucs genre ça quand même. Ça. Voilà, pour avoir quand même. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut. On va y aller en maximum de boost de production. Pour l'artiste, c'est pas grave. Hein. Donc là, on va y aller en mode ça. Toi, là aussi. Ça nous fait 15 tours. Si on enlevait ça et ça, ça nous faisait... Ouais, ça nous fait 15 tours, tout ça. Tout ça, de toute façon, ça nous fait 15 tours. Si j'en mets... Là. 15. Ah, là ça passe à 16. Je pense que le maximum qu'on puisse faire c'est 15. Donc on va garder la génération de points de savants illustres. On remettra sur les artistes après. Et donc vous deux, vous allez aller. Là. Et là. Mazel tov. 15 tours pour le Théâtre du Globe. Ça demande combien? 33,75. 500. Si je coupe ça, là. Si je défriche, ça va me ramener un petit peu de... Arrête-toi. Viens là. On va défricher ça et ça. Et on va voir ce que ça donne. Toi pareil, arrête-toi. Viens là. Et défriche. D'ailleurs, Paris. On va te... Je sais pas si ça va... Si, normalement, ça va aller à Paris si je défriche ici. Normalement, ça va à Paris. On va vérifier avant de défricher. Ok, choix de production. Qui a le plus de production? 24. Alors toi, tu es le meilleur candidat pour la tour penchée de Pise. Hein.
J'ai oublié le marché. J'ai oublié l'atelier ici. J'ai complètement oublié l'atelier. Si je te mets là, 14 tours. Et ouais. 14 tours si on met ici. Du coup, si on enlève toi et qu'on te met là. Non, ça passe à 15 tours. Donc, où est-ce qu'il est parti le dernier? Il est parti là. Oui, mais non, tu vas aller là-bas. Voilà. 14 tours. C'est parfait. C'est complètement parfait. On continue à générer de la foi. On continue à générer pas mal de culture. Et donc, à Lyon. Eh bien, alors oui, tu vas... On va tout réinitialiser, pareil, on va faire le même tralala. Tour penché de Pise, et bien entendu, eh ben, on est parti sur tout ce qui balance de la production, de la production, de la production, de la production. Là, on a aussi deux de production. Là, ça, c'est pas mal. L'atelier, quand même, aussi. Ça, et ça. 18 tours. Y a mieux. Non. 18 tours, c'est le maximum. Et ben on balance sur 18 tours pour la tour penchée de Pise. Qui est quand même. C'est bien, hein, c'est une bonne merveille quand même. Donc voilà, on va choisir une tech. Donc maintenant qu'on a chopé l'imprimerie, on va aller vers l'architecture. On va booster vers l'architecture. Si on peut, voilà, on pourra peut-être avoir la chapelle Sistine, mais il y a peu de chance. Par contre, dès qu'on aura terminé ici le théâtre du globe, on pourra enchaîner sur la galerie des offices. Ce qui est une bonne chose. Population de Paris a augmenté, oui mais j'ai déjà de m'en occuper, donc tout va bien. Et l'autre c'était Lyon et j'ai aussi de m'en occuper, donc tout va bien, les frontières de Paris, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. On s'en fout pas. Mais là où elles sont parties, on s'en fout. Pas de merveille mondiale, non? Pas de merveille naturelle, rien du tout? Non, tant pis. Navire marchand, ah oui, là ça avait terminé un navire marchand. Alors, les routes commerciales disponibles, Lyon-Honolulu. C'est ça qui va être le mieux, je pense, oui. Lyon-Honolulu. Bon, on va récupérer de la pression, hein, plus 12 de pression catholique. Ça va être chiant en fait. Bon, ceci dit, j'ai déjà mon monastère, donc on s'en fout. Donc on va établir une route commerciale avec Honolulu. Boum, voilà, et hop, 92 pièces d'or par tour. On n'est plus à ça près. On y va au niveau des pièces d'or. On envoie. Alors, notre premier artiste qui va arriver, d'ailleurs, au niveau du stockage des œuvres d'art, ça va aller. Étant donné qu'on a une cathédrale là à Orléans, donc ça va nous aider. Le palais ici, donc il n'y a pas de souci, on pourra stocker les œuvres d'art comme il faut. Toi, tu nous fais une ferme, c'est parfait. Bon. Allez, cette fois-ci on prie, hein. On est parti sur deux merveilles en même temps, donc on prie très fort pour qu'on puisse réussir à les avoir. Sinon, ça va encore me gonfler. Voilà. Je vais être clair avec vous, ça va me gonfler. Non, toi on a dit tu chopes la ville la plus proche. C'est Paris. 4, 3. C'est Paris, il recevra 15 de production. C'est toujours ça de prix. Ok. Manille. Salut Manille. Comment ça va? T'as pas de mission pour moi? Non. Bon, tant pis. Pas de mission, tant pis. Effectivement, il y a moyen qu'il y ait un petit passage là. Il est bizarrement foutu ce continent quand même. Pauvre Kamehameha. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc la tour penchée de Pise, on oublie. Oh, ça me fait peur pour le théâtre du globe, ça me fait peur. Ceci dit, César, bon, il est pas... Ouais, bon, il balance juste... Pourquoi tu ne fais pas la guerre, en fait? Ah si, tu fais la guerre avec la Polynésie. Et c'est lui. Oh là là, je sens que toutes les merveilles vont partir, et ça va me gonfler. Ok, bon,
Alors, Lyon, on oublie. Du coup, bah, on refait tout ce qu'on faisait avant. Et on va faire ça différemment. Hein. Du coup, on va réorganiser les choses un petit peu. On va mettre toi, on va mettre toi. Toi, toi, toi et toi. Et toi. Et... toi... peut-être. ouais, toi. Zo, on n'a pas forcément besoin. Par contre, ce qui pourrait être sympa, bon, la forge pas trop. Le marché, par contre, ça va nous permettre d'avoir de bonnes routes commerciales. On en a pas mal, je crois qu'ils partent de Lyon, non? Ah non, c'est Paris-Hanoï. Lyon-Honolulu. Mais bon, Lyon va quand même pouvoir devenir... Alors, il y a quand même celle Lyon-Honolulu. Et puis, ça fait de l'or, hein, de toute façon. Ici, donc on va pouvoir faire un marché. Sinon, au niveau militaire, on s'en fout un peu. Il n'y a pas vraiment de bateau atelier à faire. Trop urgemment. On va balancer un marché ici. Bon, la tour penchée de Pise, on laisse tomber. Toi, tu nous défriches. Enfin, 10 productions seulement. Allez, défriche quand même. Défriche. C'est pas ici le passage en fait. C'est juste une petite pointe là. Qui sert à rien. D'accord. Bah, ils ont dû prendre navigation hein, sur l'autre continent. Je vois que ça. Je vois pas par où d'autres ils ont pu passer. Hein. Non. Ou alors vraiment, il y a une espèce de truc complètement ahurissant par le sud. Fondation du Congrès mondial. Salut, tu veux voir ma vite? Non. Accepter l'ambassade. Ok. Comment ça? Ah, il y en a déjà un qui s'est fait raser sur leur compte. Ok, ils ont l'air agressifs là-bas. Ça, j'aime bien ça, les mecs qui se foutent sur la gueule tout le temps là. Bon, on saura pas qui aura été la 8ème civilisation. Vu qu'elle est déjà morte. Bon. Oui, non, il faut aller, on va saouler Manille. Passer 11 tours avec les 15 de production là, ok. Bon. Intrusion sur le territoire de Manille, je sais. Allez, le théâtre du globe, il est à nous. On va quand même réussir à en faire une de merveille. Un artiste illustre. Youpi. On est bien. Dans la Renaissance, parfait. Non, pas un âge d'or, créer un chef-d'œuvre. Créer un chef-d'œuvre, la naissance de Vénus. C'est joli. Panama a reconnu notre artiste illustre très bien. Une intrusion sur le territoire de Manille, on s'en fout. Riga n'a plus besoin d'investisseurs. Ok. Je viens de voir Riga le malmené, non. Et Panama qui a reconnu notre artiste illustre. Plus que 67. Une petite merveille naturelle, il faudrait juste. Juste une petite merveille naturelle et après on pourrait s'amuser. Frontières de Paris qui se sont étendues, ok. Allez, on va faire bouger nos troupes. Toi, oui, voilà, il y avait un château qui était en cours ici, donc tu vas pouvoir continuer à le faire tranquillement. Et puis, bah, on va pouvoir enchaîner. 10. De production en plus, ça fait 10 tours. Est-ce que ça va descendre à 9 au moment où je vais commencer? C'est possible. Dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on aura au moins gagné un tour avec nos défrichages de forêt. Si ça passe à 9, c'est bon. Oui, non, peut-être, on sait pas. Et... oui, parfait. Parfait. Bon, on aura fait tout ce qu'on peut pour le théâtre du globe. On peut pas faire plus. Là, on peut pas faire plus. Oui, Manille, tout ça. Intrusion, blablabla. Il est pas fini, hein, je crois,
Ce château, ce châtel aussi. Non. Ce castel. Ok. Youp là. J'ai peur, ce son, mais ce son. Il me fait une crise cardiaque à chaque fois, quoi. Oh là là, je vous jure. Oui, on continue ça. Que lui, on aurait pu avoir des agrumes en plus. Du coup, on va peut-être faire ça en fait. On va peut-être mettre en place un échange agrumes en sang, et puis un des deals, on l'arrêtera. Une fois que ce sera terminé. On va faire ça. Comme ça, on va se réserver un agrume de Moctezuma. Voilà, hop. Ça va pas nous changer notre bonheur. Puis un des deals avec de l'encens, on l'arrêtera. Enfin, ceux qui nous rapportent de l'argent, on l'arrêtera. Parce que je préfère quand même avoir une petite ressource de luxe. Alors, le château de Himeji qui est terminé. La population d'Orléans qui a... Oh non, Augustine a été tuée. Ouch. Enfin, contre-espion. Ouch. Désolé les Mayas, désolé, autant pour moi. Frontières de Lyon qui se sont étendues. Alors attendez, déjà il y avait Orléans qui avait reçu un nouveau citoyen. Là-haut, il y a une ferme qui a été faite. Très jolie ferme. Qui va te permettre de continuer à croître. Et là, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça reste... La meilleure case. Non, bah non. Suis-je bait. Y a ça. Y a ça, hein, oui. Et même, on va pouvoir peut-être enlever lui. Lequel est aussi sur l'université, d'ailleurs. Hein, quand on réfléchit un petit peu. C'est des choses qui se font. Ce sont des choses qui se font. Ok. Notre petite trirème. Alright. Toi, Castel, toi, ça c'est fait. Ah bah non, tu peux pas embarquer. C'est vrai. Donc ce qu'on va faire avec toi, c'est que... ici, ça sert à rien, parce qu'aucune des deux villes ne peut la travailler. Donc on s'en fout. Par contre, là, il y a là... Non, là, voilà. Là, il y a du fer qu'on va pouvoir vendre, en fait. Tout simplement. C'est quand même mieux. Faisons des choses utiles. Bla ouais, c'est bon. Je t'explique. Ah, je t'espionnerai plus. Ça va. Et quelle idée d'être un contre-espion aussi. Tu veux mon fer? Je te donne mon fer. Toutes les bonnes merveilles qui s'en vont. Il va falloir que je switch sur... Il va falloir que je switch sur domination si ça continue. Ou sur... Il va probablement falloir que je dégage en mode diplomatique. Hein. Que je fasse un maximum de blé. Il va falloir que je redirige. Ce n'est pas possible. Je me fais tout piquer. Même les trucs dans lesquels j'investis beaucoup, je me les fais voler. Bon sang de bonsoir. On a des gros spammers de merveilles, là. Et qui les construisent à la chaîne. Je vois pas comment on va pouvoir... Alors, le Louvre, on devrait pouvoir réussir à l'avoir. Si on peut pas avoir la galerie des offices, bon... Là, il nous en faut vraiment, hein. Il va nous en falloir. La galerie des offices, si on l'a pas, ça va quand même être tendu, quoi. Il nous faut la galerie des offices, il nous faut le Louvre, il va nous falloir Broadway. Au moins celle-là, quoi. Celles-là, elles sont... C'est ceux qui ont des emplacements à 3, donc il nous les faut absolument, 3 ou 4. Les autres, bon, c'est des trucs à 2. Elles sont un peu moins un truc, mais... Ils commencent à sacrément me casser les couilles, tout cela. Hein. Je vais vous le dire, je vais être franc. Voilà. Vous me cassez les couilles. Bon sang. Bon. Rebelote. Puff, puff, pif, puff, pouf. Allez, vous dégagez tous. Alors, on fait de la place. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut... On a encore
avoir de la place pour des œuvres littéraires, donc on va en faire. On va bien sûr surtout faire des artistes. On va aller sur des universités. On va travailler tous les ensembles. Tout ce qui est guilde des écrivains. Ensuite, la nourriture. Ça. Puis tous les castels. Et ce sera tout. C'est tout ce que je vais travailler. C'est naze. Circus Maximus. C'est terminé ? Ah d'accord. Donc on s'est fait choper le théâtre du globe et ça a directement du coup terminé le Circus Maximus. Ok, très bien. Ce qui nous fait passer à 16 de bonheur. Alors, Compagnie des Indes Orientales, ça peut valoir le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait valoir le coup? Commencer. Peut-être à réfléchir à les... Ah non, mais ça me sert à rien aussi, les merveilles qui sont... Bon, il y a toujours les merveilles... Bon, l'université d'Oxford, on veut la garder pour plus tard. La Compagnie des Indes Orientales, ça va nous ramener pas mal d'or. Parce qu'il y en a quand même pas mal de nos routes commerciales qu'on va vouloir faire à partir de Paris. Paris-Hanoï, Paris-Navanette. Ah, Orléans quand même aussi. Pas tant que ça en fait. Quoique au niveau maritime, si. C'est qui veut? C'est la Valette. Je dis, Paris, il y a la chapelle... Est-ce que je tente vraiment? La chapelle... Bon, on va la tenter. Je ne peux pas ne pas la tenter. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire après la chapelle Sistine? C'est ça le truc. Qu'est-ce que je pourrais faire en un tour? Un éclaireur, ça sert à rien. Bon, c'est un éclaireur. C'est un ragdale. Un ouvrier, on n'en a pas besoin. On en a largement assez. Au bout d'un moment, on va vouloir aussi nos mousquetaires. Mais je pense pas qu'on va aller trop sur de la guerre en fait. On va les zapper complètement, les mousquetaires. Ils vont pas nous servir. Mais genre pas du tout. La banque, ça peut valoir le coup. Ou la Compagnie des Indes Orientales. Mais je pense plutôt la banque en fait. C'est ça qui va nous ramener le plus. Nous faire passer à quoi? 45, plus 25%. Ouais, ça fait quand même ramener pas mal d'or d'un coup quoi. Vous savez quoi? On va mettre un tour dans la banque et on switchera sur la chapelle Sistine. Ok, allez, un autre choix de construction. À la bonne heure, toi t'as terminé ton marché. Écoute, je crois que tu vas me faire une banque aussi. La capitale, elle y va sur tous les spécialistes, oui. Tu vas me faire une banque également, ouais. C'est ça aussi qui va nous ramener le plus de tout ce qu'il y a là. J'ai pas besoin de défense supplémentaire. Je pense que personne va m'attaquer, hein. Y a peu de raisons. Orléans est assez facilement défendable, Paris est défendable. J'ai ce qu'il faut en troupes. Je le verrai venir si jamais ils veulent m'attaquer. Non, je pense qu'on est bon. Hein. Donc on va choisir une banque. On va commencer à voir s'ils veulent pas faire la guerre
Faites-vous la guerre les uns les autres, bordel de merde. Surtout ces deux-là, là, j'aimerais bien qu'ils se foutent sur la tronche. Avec Pacal. Ah. 10 d'or par tour, des fourrures et du fer. Bah oui, bah, vas-y. Prends. Alors, pas mes fourrures. 10, 15 d'or par tour. Je suis prêt à monter jusqu'à 20 là. Ah! Non. Ceci dit, j'ai tellement de bonheur que on pourrait balancer les fourrures en fait. Hein. Ah, 20 et 2 de fer. Donc il donne quand même une valeur au fer. Et il a rien pour me le payer, c'est pour ça que ça apparaissait pas là-dedans, mais il a une valeur. Et bah, vous savez quoi? J'accepte ça, je crois. Ça, parce qu'il faut les occuper. Il faut les occuper absolument maintenant. Il faut qu'ils se foutent sur la gueule. Il faut qu'ils produisent des unités. Il faut qu'ils arrêtent de spammer les merveilles. Sinon, ça va pas le faire. Kamehameha qui rentre dans la Renaissance. Lui qui fait le théâtre du globe, ok. Dire ou quoi qui ont développé leur religion, on s'en fout. Des trucs de fer, de fourrure. On a quand même. Ah bah non, mais c'est bon en fait. Ah mais non, c'est ça, on exporte déjà de les fourrures. Ils en veulent tous, mais on en exporte déjà. D'où il a enfin posé une ville là-haut, je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait lui? Pourquoi il a des... Tout d'un coup il a une ressource? Bah non, c'est de l'argent, il en a plus longtemps. Mais là, il s'est dit tout d'un coup, tiens, je vais proposer de l'argent. Non bah je m'en fous de ton argent, j'ai largement assez de bonheur. Déclare la guerre à Pacal, unité en attente d'ordre, oui, toi. Tu vas aller par là-bas. Qu'est-ce qui a été proposé au Congrès mondial? Exposition internationale directe. À la limite, c'est mieux que ça passe maintenant, en fait. Embargo sur la Polynésie. Ah non, c'est pas cool. Mais je pense qu'on va voter pour l'exposition internationale, comme ça elle passera, on aura notre doctrine gratuite, et c'est pas grave si elle passe tôt. C'est plus les jeux internationaux qui sont chiants s'ils passent un peu trop tôt. Vaut mieux les avoir en fin de partie quand même. Ok, un castel de plus de fait. Bon, on va en foutre un là-haut. Et puis une petite ferme à côté. Ce sera très bien. Bon allez, acoustique, on va tenter une énième merveille mondiale. On l'aura jamais, mais bon. Alors là, par contre... On va voir. Attends. Tu attends. Mais je vais peut-être te le pomper à toi, parce que t'as l'air d'être un spammer. Toi t'as plus 28, t'as plus 106. Non, il faut que je lui prenne à lui. Je vais vérifier que c'est pas un bug. Alors, je disais, je vais vérifier si c'est pas un bug. Non, voilà, c'est un bug. Hein. J'ai pas de fourrure vu que j'en exporte déjà. Bien, Paris. Belote. Tu dégages tout ça. Non, on vend pas la guilde des écrivains, ça va pas, non. Tout ce beau monde dégage de son assignation. Très bien, merci. Et on a dit Chapelle Sistine, il nous faut ça. Il nous faut ça et ça. Ensuite, il nous faut ça. Il nous faut ça. Sinon, on crève. Ensuite, on va en mettre là. Là. Je l'avais oublié. Là et là. 14 tours.
Et après le reste, on va en mettre un là. Et un là. On peut pas faire mieux que 14 tours. Il y aura une croissance dans 3 tours, donc avec un peu de chance, ça va pouvoir descendre un peu. Et voilà. C'est mieux que je peux faire en production, je crois. Allez, on est reparti. Choisir une construction à Orléans. T'as terminé un atelier. Alors, Orléans, t'as encore plein de trucs à faire, notamment une banque, toi aussi. Ah non, la banque, elle est moins intéressante chez toi. C'est peut-être toi qui va musicianiser. Je pense que la guilde des musiciens va être chez toi. Parce que là, la capitale est trop chargée. Alors par contre, la guilde des musiciens, on va pas la travailler tout de suite. Parce que si on veut réussir à avoir les bonus de merveille, on va en vouloir peut-être un ou deux musiciens avant l'ère moderne. Et après, on va vouloir en fait synchroniser pour qu'il y en ait un qui arrive à l'ère moderne. Et qu'on en ait un avec Broadway, et pareil, et un autre. Même technique qu'avec la galerie des offices, quoi, en gros, et les artistes. Il va pas forcément falloir commencer à les travailler trop vite non plus. Enfin, on va en sortir un ou deux. Et puis après, on va se calmer, quoi, sur les musiciens. Mais on va faire la guilde des musiciens. D'ailleurs, ça me fait penser à Paris. Tu changes tout de suite. On s'en fout de la banque. Tu me fais la chapelle Sistine. Et d'ailleurs, avant la banque, on va mettre l'usine sidérurgique aussi. À la queue. Voilà. Puis on verra si on peut pas. On va peut-être acheter une écurie quand même. Même si ça donne que 1, c'est nécessaire. Voilà, 13 tours. Bam! Peut pas mieux faire que 13 tours. Plus qu'à espérer. Toc. Ah, là, il y a un petit truc, là. Petit passage. Castel. Et tour suivant. Architecture dans 11 tours. On va voir. Ça va dépendre de ce que donne la chapelle Sistine. Si on se la fait pas piquer, tant mieux. Si on se la fait piquer, tant pis. Et on switchera sur Galerie des Offices directement. Quand est-ce que j'ai un nouveau... c'est quand même mon niveau 3 là qui est mort, ça me fait chier un peu. Ça me fait quand même un peu chier. Où est-ce qu'on en est au niveau tech? 31, 1931, 33, 34, 34, 34, 36. On est quand même un peu en retard. Mais ceci dit, c'est parce qu'on a... pas de petites tech par ici, donc eux ils doivent avoir un peu plus de tech là. On n'a pas optique, on n'a pas la boussole, on n'a pas l'astronomie, donc il y a peu de chances qu'ils soient encore qu'ils soient déjà allés sur l'architecture. On sera probablement là les premiers, mais on sait jamais. Et depuis tout à l'heure j'attendais alors qu'il fallait que je fasse faire une mine à cet ouvrier. Un coup classique. Déjà des petites caravelles de la part des Romains, donc 34, si moi j'en ai 31, ouais voilà, ça veut dire qu'ils sont, ils ont peut-être la même chose, plus astronomie, mais ils ont probablement acier, poudre à canon, ce genre de choses en plus quoi. Allez, on va dire qu'ils sont pas allés sur architecture, ok? Allez, on va dire que le jeu est sympa. Et que on va pouvoir se faire la galerie des offices. Yawata. Alors, désolé, mais non. Je pense que tous les deux, vous allez trouver des occasions de vous foutre la gueule tout seul. J'ai pas besoin de moi. À la limite, je peux toujours commencer à te payer un peu, mais je sais pas. Où est-ce que ça en est, la culture? Qui a accumulé le... plus de culture? Maya, Rome, ouais, bon, j'en ai... Ouais, c'est eux, là, c'est les Maya et Rome, hein. Ouais, bon, bah, très bien. Déjà, ils sont sur mon continent, donc c'est bien.
Mais faudra peut-être les nuker quoi à la fin de la partie. On sait pas. On ne sait pas. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ok. Ok, rien de spécial apparemment ici. Mince, j'ai pas vu ce que c'était ça. J'ai oublié de regarder. Erreur. Ouais, y a quelqu'un qui génère plus de culture que nous. Et pourtant on bourrine, hein. Mais. C'est difficile. À ce niveau-là de la partie, en immortel, de générer plus que désir. Ça va venir. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Alors, on n'est pas si bedonnant que ça, hein. Nouvel espion qui a été recruté. On va te déplacer, du coup. Non, pas... Donc, pas chez les Mayas. Retourne à Rome. Toi, finis de faire le tour. Il n'y a pas de passage, hein. Ou alors dans le sud, là. Mais il me semble pas. Population de Paris qui a augmenté. Donc, 10 tours. Ouais, bon, 10 tours, quoi. Et là, on va continuer à croître un petit peu. Avec ça. Ou bien est-ce qu'on... Voilà, dessus. Ouais, non, ça enlève pas de tours à la construction. D'ailleurs, les artistes plutôt. Non, là, ça en enlève un. Donc, celui-là, on va le laisser. Par contre, on va aller plutôt vers des artistes. Artistes illustres dans 28 tours. Parce que bon, quand même, après, on va rusher... Qu'est-ce qu'on va rusher, d'ailleurs? On va rusher l'archéologie. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Donc il va pas falloir traîner à obtenir notre nouvel artistilus quand même. Et surtout, il va falloir faire la galerie des offices avant... Avant d'arriver à l'archéologie. C'est ça qui va être important, si on veut avoir le bonus. Ok, toi t'as terminé ton castel ici, viens là, et là tu nous fais un comptoir commercial, très bien. Est-ce qu'on a quelque chose qu'on pourrait remplacer pour aller travailler là-dessus? Ma foi non. Donc ça attendra la croissance. On va pouvoir passer au tour suivant. Allez, chapelle Sistine, pas chapelle Sistine. Hein? Petit suspense. Construira pas. Kamehameha n'a plus d'or par tour à nous verser. Une fois que Kamehameha, passe du passage sur le territoire de Kamehameha est terminé. Hein, Kamehameha. Alors, on a récupéré des trucs. On a récupéré de l'encens. Et bah voilà, ça c'est le genre de deal qu'on va pas renouveler. Parce qu'il n'a rien à nous donner, lui. Alors, on repasse. Que, entre guillemets, à 52 pièces d'or par tour. Mais bon, c'est pas trop grave. Très bien. Des frontières qui s'étendent, mais on s'en bat les steaks. Bon, on va quand même aller explorer par le sud, là, voir s'il n'y a pas un petit passage secret. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était Paris-Hanoï. Bah là on va peut-être switcher sur Paris-Lavalette, parce que ça va nous donner un petit peu d'affluence. C'est bien Lavalette, c'est Lavalette. Donc on va établir une route commerciale. D'ailleurs on est à combien avec eux? Ah non, on est à zéro. C'est comme Monaco, ça fait partie des deux auxquels on est à zéro. Avec lesquels on est à zéro. Non, tu vas à Lavalette toi pour l'instant. Voilà. Pas besoin de faire quoi que ce soit. On passe au tour suivant. Signer un accord mutuel de libre passage. Ouais. Franchement, t'es tellement insignifiant dans cette partie que et voilà. Ça me permettra de ramener ma petite trirème. Zurich. J'ai découvert Zurich. Je sais pas comment, mais j'ai découvert Zurich. J'étais en train de réfléchir à quelque chose.
Mais alors, je ne sais plus quoi. Ah oui, à propos des routes commerciales. Lui, il a plus 6,25. On va peut-être pouvoir en switcher une en envoi de production sur Paris. Hein. Pour le rush de nos merveilles. Ça peut valoir le coup d'envoyer un petit peu de production. Non, il n'y a rien ici. Il n'y a rien de chez rien. Un accord de recherche, une éducation publique de Danemark. D'ailleurs, oui, il serait peut-être temps qu'on fasse des accords de recherche. Mais on n'a plus d'amis. Est-ce que toi, tu veux... Non, tu veux pas être ami. Est-ce que toi... Non, tu voudrais être ami. Ouais, je m'en doutais bien. Et notre seul ami, il est oiseux. Il a pas d'argent, alors que j'aimerais bien avoir des accords de recherche. Pas bien grave. Premier contact avec Zurich. Ok, La Valette. Route commerciale, ça nous fait passer à 40. Alors avec un peu de chance, ils nous donneront une unité. mais j'en doute. Mon fer, ah oui, mais j'en ai plein du fer. Tiens, prends. Quoi? Oh là! Non. Soit tu le prends pour 2 d'or par tour, soit tu le prends pas. Il y a plein d'autres acheteurs potentiels. Hein. T'es pas tout seul. Quel magnifique accord. Je suis... perplexe. Écoute, je te propose rien contre rien. Mm-hmm. C'est encore une des propositions exceptionnelles de la France, c'est ça? T'es inspiré de nous? Tu dis, tiens, je vais lui faire une petite blague, je vais lui faire une proposition exceptionnelle, mais en fait, c'est de la merde. Comme il m'a fait d'habitude, tout ça. Non, ça marche pas comme ça. Alors, tout plein de deals. Chevaux, fer. Chevaux à Kamehameha, ok. Donc, plein de trucs qu'on vend plus à Kamehameha. Les frontières d'Orléans, ok, ça on s'en bat les steaks. Par contre, toi, tu vas prendre mes chevaux. Voilà. Tu vas prendre mes autres chevaux, parce que t'es le seul... il y a aussi Moctezuma. Prends mes chevaux. Moctezuma, combien t'as d'argent? Plus. Donc prends mes chevaux pour l'instant, voilà. Alors on va répartir un petit peu. Toi, on va te maintenant donner un petit peu du fer. Voilà, jusqu'à ce que tu n'aies plus en haut. C'est simple. Voilà. Tu veux encore du fer, mais tu n'as rien pour moi. Et je préfère l'avoir pour... 2 d'or par tour que pour 45 pièces d'or, tout simplement, puisque 2 d'or par tour, ça a plus de valeur. Donc on va t'en donner à toi, maintenant. Voilà. On va t'en donner plein. Prends du fer, tiens. Tu n'en veux plus. Maintenant à lui. Alors, on vous donne un petit peu de quoi faire la guerre, tous les deux, là. On est sympa. Foutez-vous sur la tronche, regarde, prenez du fer. Oh, le fer, c'est vachement bien pour créer des unités. Surtout toi, Yawata, ça te crée ton unité unique. Et, ah, tu dois être très très fort avec ça pour aller attaquer Moctezuma. Oui, va attaquer Moctezuma. Oui. Je raconte n'importe quoi, moi, des fois. Une petite ferme, voilà, donc genre... bon, il n'y aura plus de croissance hein, sur Paris, ça c'est clair, mais on va établir une route commerciale et on va probablement envoyer de la production à Paris. Ça va envoyer 4 de production par tour, ce qui n'est pas rien. Est-ce que ça nous fait passer à 6 tours? Non. Par contre, si j'enlève lui et que je le mets là... Ça nous fait passer à 6 tours. Et ça nous remet de la croissance un petit peu. Ah ah! Ok. Bon, on perd un petit peu de génération d'artistes, mais ça va se rattraper. Quoique. 63 tours, ça va pas le faire. 63 tours, mais ça va pas le faire du tout. Donc, ouais, bon, là, il nous faudrait 3 doctrines, donc ça va aussi prendre un petit peu de temps. Ceci dit, si on l'adopte, ça va accélérer un petit peu les choses, quand même. Donc, il y a moyen qu'on adopte au moins le démarrage. De l'esthétique. Au moins, adopter ça.
Du cuivre, de la truffe, ok. Bon, on a fait tout le tour avec notre trirème, hein. Méga passage secret là, mais là c'est sûr on peut pas passer. Je ne sais vraiment pas. Bon, il devait être passé avec la navigation là, l'astronomie dans la nouvelle Renaissance, parce que c'est pas possible, si. C'est juste impossible. Juste impossible. Unos fermos. Et vous savez quoi, je crois que je vais quand même enlever. Si j'enlève les castels, les trois castels, et que je les passe sur des fermes comme ça. 24 tours, ouais, non, ok. Il est parti où le dernier d'ailleurs? Il est parti là. Non, alors attendez, parce que j'ai mal goupillé mon truc. Pouf, paf, pif. Pouf. 19. Voilà, ça va faire non plus pas énormément. Restez sur les castels. Restez à 33 tours, c'est très bien. On est à 5 tours pour la chapelle Sistine. Et on va prier, bon. On verra si on l'obtient ou pas dans la prochaine vidéo. Par contre, mon encens, hein, encore une fois, non, je pense que j'en ai pas deux là. J'ai pas deux encens, non, j'en ai que un. Pas me faire avoir. Parce que j'aimerais bien quand même passer dans un âge d'or là. 28 tours, comment ça se fait que ça a augmenté? Mais. Hormus. Ok. Campement barbare découvert. Tout là-bas! Tout là-bas, loin! Ok. Hanoï a déclaré la guerre à Auguste César. Pourquoi? Alors, les Mayas? Oui. Mais non! Voilà. Hein, voilà. Hein, je suis gentil et tout. Oui. Mais non. Hanoï, elle est à moi. C'est tout. Tu fais pas chier. Donc on va arrêter la guerre, voilà, très bien, lié Maya, ok, très bien. Bah toi, tu vas aller explorer un petit peu juste par là, histoire de dire, mais en fait, on s'en fout. Et on enchaîne. Ah non, il y a moyen. Il y a moyen qu'on ait la chapelle Sistine. Qu'est-ce qu'ils veulent dans la chapelle Sistine? Même civilisation, même ère. D'accord. Donc, bah, il y a moyen qu'on utilise la galerie des offices pour stocker des trucs de l'ère industrielle. Qu'on passe dans l'ère industrielle, et qu'à ce moment-là, on pop nos artistes pour remplir la galerie des offices. C'est possible qu'on le fasse comme ça, et qu'on remplisse avec les deux artistes qu'on va avoir à l'ère de Renaissance, ces deux artistes-là. On va les utiliser pour remplir la chapelle Sistine. Si on l'obtient, comme d'habitude. Je peux utiliser ma foi. Qu'est-ce que je peux acheter avec ma foi, en fait? Des missionnaires ou une mosquée? Que me donne une mosquée, déjà? La mosquée, ça donne 2 de culture, 3 de foi. On va acheter ce genre de bâtiment, hein. On va vraiment acheter ce genre de bâtiment. Bon, le bonheur, c'est bon à prendre, toujours. Mais surtout, la culture et la foi, moi, c'est ce dont j'ai besoin. Notamment de la foi, il va falloir que j'en génère pas mal au bout d'un moment. Donc on va continuer, hein. Et vraiment, à partir de l'ère industrielle, il va falloir faire zéro dépense de foi. Et économie à mort.
Oui, bah viens, viens là. J'ai eu un trébuchet, semblerait. Nouvelle unité de Hanoï. Hanoï a besoin d'unité, mais oui, merci. Bah, si tu arrêtais de m'en donner aussi. La foi, c'est fait. On va te fortifier, c'est bien, c'est un petit trébuchet, c'est pas mal. Ça nous permet d'avoir nos petites défenses. Toujours pas d'optique guerrière, hein. on va pas aller faire la guerre. On pourrait probablement capturer Honolulu avec tout ça. Hein. Mais je ne vois. Quoique Oracle, Temple d'Artemis, Mausolée d'Alicarnas, Armée de Terre Cuite. Je donnerai des baleines, monopole de l'ivoire, presque monopole de l'ivoire. Ouais, bon, ok. Les Incas, ils en ont. Ok. Donc, pas du tout le monopole de l'ivoire. Ok. C'est tentant. Je dois avouer que, bon, on est amis et que je préfère pas. Peut-être si la déclaration d'amitié se perd, on va y réfléchir. On va y réfléchir à aller capturer Honolulu avec les troupes qu'on a là. Parce que je pense que c'est faisable. Et genre large. Si on regarde la démographie, soldats, je suis 6ème. 52 000, ils ont 38 000. Donc on peut vraiment les écraser, quoi. Les écraser complètement. Avec ce qu'on a. On a des bons trucs à distance, on a de la cavalerie, on a ça. Donc on peut vraiment se les faire sans problème. Et c'est peut-être un coup à jouer, là. Peut-être un coup à jouer. Alors on va attendre d'avoir la déclaration d'amitié qui se termine. On la renouvellera peut-être pas. 8 tours. C'est tentant tout ça. Que faire ici? Plus la trirème en plus. Qui sera une autre unité de corps à corps pour réussir à choper Honolulu. Muy interesante. Très 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 interesante. Qu'est-ce que je fais à Lyon? La forge, oui, pourquoi pas. Ça nous donner un petit peu de production. Le zoo nous donnera du bonheur, mais... Mais génération de foi. Hôtel. Et puis bon, il va nous falloir aussi des trucs pour encaisser les œuvres, mais on a le temps. Hôtel, génération de foi. Toi, tu continues à descendre. Plus de tour, allez, hein, quand même, je vous laisse pas sur le suspense de est-ce qu'on va avoir la chapelle Sistine ou pas. Est-ce qu'on va avoir la chapelle Sistine ou pas. On va tomber sur l'architecture. Est-ce qu'on va avoir notre première merveille mondiale? L'architecture qui arrive. Oh yeah. Oui, ça va être notre première, hein. On n'en a toujours pas eu. Donc, avant d'oublier. What the f... Ça a été déjà construit. Des globes, colosse, Notre-Dame, grande muraille, pyramide Chichen Itza, l'Ambra Pritra, grande mosquée de Djenné, Stonehenge. J'ai pas pris esthétisme. D'ailleurs, c'est un bon truc à checker. Tradition, piété, honneur, mécénat, liberté, esthétique. Mais si, donc toi t'as pris esthétique. T'es pas trop un construiseur de... Hein, hein. Tradition mécénat, tradition esthétique, ok. Donc là, il faut vraiment adopter l'esthétisme. L'esthétique. On l'adopte. 25, très bien.
Paris, ça passe à 48 tours. Ça reste encore beaucoup. Par contre, là, du coup, on peut mettre la galerie des offices. Voilà, dans laquelle est derrière. Tech. Archéologie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 35 tours, à peu près. Allez, on va pouvoir mettre à 30 tours, je pense. 30 tours avant l'archéologie. Peut-être falloir qu'on ralentisse sur l'archéologie, en fait. Peut-être falloir qu'on rentre en aire industrielle sur engrais. Et qu'on aille sur archéologie derrière. Pour ralentir un petit peu les choses. Personne n'est allé sur commerce pour l'instant. Ou exploration? Non. Personne n'est allé sur exploration. Donc, il y a moyen qu'on aille sur l'astronomie pour l'observatoire. Pour en mettre un dans Orléans. Et puis pour pouvoir faire une caravelle. Il y a moyen qu'on fasse ça. Puis ça. Puis ça, en fait. C'est très, très valable. Ça se discute. Ça se discute. Et d'ailleurs, je crois que c'est le plan qu'on va faire. Allez, c'est parti. Ça, en plus, ça nous laisse plus de temps dans la Renaissance. Et ça nous laisse le temps de construire la galerie des offices. Et après, d'essayer d'obtenir les artistes. Comme il faut. Ouais. Est-ce possible, est-ce qu'on fasse ça? On va voir. Ok. Toi, ça, toc, Moctezuma, Monaco, recherche de la science, frontières de Lyon qui sont étendues, ok. Et attention, on clique sur tour suivant, et regardez comment on va se la faire piquer au dernier tour. Danemark. Rome, attention. Il s'appelle Sistine. Non, Iroquois. Moctezuma, non, je veux pas. Mais vas-y, toi. Vas-y. Elle est à nous. Elle est à nous. La chapelle Sistine est à nous. Oh, yeah. Et voilà, c'est qui le patron, hein? C'est qui le patron? Allez, culture plus 25% dans toutes les villes. C'est qui ça? Bam, avec tous les castels et tout. Bam, voilà. Bam. Il avait fait un instrument pour... Je crois que j'ai jamais été aussi heureux de créer une merveille mondiale. Bon, bah maintenant, on va voir si on arrive à avoir la galerie des offices. BAM! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pas déjà... Bon, déjà, on va caler lui, là. Voilà. Comme ça, on est sûr. J'aimerais vraiment pouvoir travailler mes artistes, là. Donc, il va falloir faire la galerie... vite. Et genre, très vite. Et là, je donne tout. Je donne vraiment tout ce que j'ai. Il va falloir faire la galerie des offices très vite. Et après, je re-switch en méga production d'artistes. Je donne tout pour faire des artistes. À vitesse grand V, quoi. Et essayer de sortir un maximum d'artistes avant la fin de la Renaissance. Il m'en faudra juste deux, en fait. Généré par la guilde des artistes. Je vais essayer d'en choper un autre par l'esthétique. Voilà. Celui-là. Donc un autre par l'esthétique. Ce qui devrait pouvoir le faire. Et l'autre sera de la galerie des offices. Donc il me faut vraiment juste plus que deux artistes dans la Renaissance. Et j'aurai tous les bonus de thème. Bonus thématique.
Bueno, eh, franchement, bonne vidéo là. Ah, c'est, ah, ça fait plaisir. Là, les choses qui commencent à bien se passer là. Quand même, j'aime bien. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces vers le haut, vers le bas, des commentaires, des passages sur Twitter, Facebook, tout le tralala, comme d'habitude. Moi, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt sur le Chowiz Gaming Show. Ciao, ciao.